Première préparation que je fais à la chaussure, c'est qu'avec du scotch, je cache toutes les parties que je n'ai pas envie que ce soit mis en couleur. Donc, en l'occurrence ici, la pointe, le pourtour et la semelle. Maintenant, si vous désirez que votre chaussure soit peinte partout, qu'il n'y ait pas de distinction, vous zappez tout simplement cette étape, hein, il n'y a pas de souci. Avec de la peinture primaire en bombe, j'asperge mes chaussures. Convenablement, j'en mets vraiment bien partout et je laisse surtout bien sécher le primaire, hein. Donc, l'idéal, c'est de faire ça la veille. Premier test que je vais faire pour l'hydro-dipping, j'ai utilisé des petites bouteilles d'encre spéciale marbling que j'ai trouvées sur Amazon. Pour commencer, je remplis une bassine d'eau froide et à l'aide de mes petits flacons d'encre, je viens mettre des gouttes dans l'eau. Premier souci que je m'aperçois avec cette encre-là, c'est que au niveau de l'eau, elle ne se mélange pas. Donc, ça fait vraiment comme de l'huile qu'on mettrait à la base, qu'on mettrait dans l'eau et que, voilà, vous avez des petites gouttes d'huile comme ça qui n'arrivent pas à s'associer, qui n'arrivent pas à s'accrocher. Bon, je me dis, je continue. Peut-être que je n'en ai pas mis assez, mais franchement, je suis vraiment très, très, très sceptique au résultat. Voilà, je continue à remettre de l'encre un petit peu. J'essaye avec mon petit bâtonnet de mettre de la peinture et je plonge ma chaussure délicatement, tranquillement. Et là, franchement, franchement, je me dis non, ça va pas. Effectivement, quand je sors la chaussure, elle est noire, elle est brune et elle n'est pas belle. Alors, deuxième essai, c'est que là, je remplis toujours une bassine d'eau avec de l'eau froide, mais je prends de la bombe, de la couleur en bombe, hein, que j'asperge comme vous voyez sur la photo, hein, et ici, j'ai pris du rouge, du blanc et de l'or. Je prends mon petit bâtonnet, je mélange délicatement. Je prends ma chaussure, je la plonge délicatement dedans. Et là, je me rends compte tout de suite que ça fonctionne, ça marche, je suis contente. En conclusion, eh bien, l'hydro-dipping, oui, mais pas avec des flacons d'encre. Ça, c'est niette. Hein, là, voilà, j'ai fait le test, ça fonctionne pas, que ce soit sur le tissu ou sur le cuir, le plastique. Par contre, l'hydro-dipping avec des bombes de couleur, ça, oui, mais je déconseille quand même sur des chaussures en tissu. Hein, parce que regardez, la photo, elle est parlante. Hein. Vous voyez, sur le tissu, c'est beaucoup moins net. Le bout de la chaussure qui lui était recouvert de scotch plastique, on voit que c'est quand même nettement mieux. Les détails sont là, les couleurs ne sont pas ternes. Donc, voilà. Moi, pour moi, l'hydro-dipping en bombe de couleur, oui, mais sur des chaussures en cuir ou des chaussures en semi-cuir ou en plastique, mais pas vraiment sur des chaussures en tissu. Voilà.
Donc il faut que je trouve une autre technique concernant l'hydrodipping pour tissu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo va vous aider un petit peu à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, vous partagez.